grands avantages. Donc je vous ai montré le, je vous ai montré comment le faire sans difficulté, donc sans niveau de difficulté. Donc là une dernière fois. Vas-y désactive-toi. Non c'est trop tard. Ah bah non. Non si c'est trop tard. Faut que ça s'active plus vite. Bon, je vais en enlever deux. Alors je vais juste regarder le problème. Donc un. Ah ok. Donc dès que vous le lancez, si je voulais en invoquer 4. Ce que j'avais pas réfléchi, c'est que dès que je le lance, c'est en invoquer 1. Donc forcément, faut que ça fasse que 3 boucles. Donc 1, 2, 3. Donc on peut supprimer vraiment celle-là et ces deux-là. Au passage, non, on peut pas supprimer ces deux-là. Par contre, ce qu'on peut faire... Faut juste pas que ça se mélange. Ouais, bon, ce qu'on va faire, c'est ça. Check, et on va mettre un répéteur sur 4 ici. Voilà, donc, dernier essai. Tout dernier essai, on fait le jour, voilà. Tout dernier essai, en fait, j'avais oublié que quand on l'activait, ça envoyait directement en zombie. Donc là, un zombie. Le deuxième maintenant. Le troisième là. Et donc là, Jack, ça devrait se bouger maintenant. Et voilà, ça a juste pas eu le temps, donc timing parfait. Ça se remet à partir d'un certain temps, donc les gens, ils peuvent vraiment appuyer. On a fini pour sans la, le niveau de difficulté. Et donc là, on va faire deux niveaux de difficulté. Après, ce sera toujours le même principe. Donc pour le niveau de difficulté, le deuxième, on va en fait monter deux zombies de plus. Donc on sera à 6. Donc là, c'est parfait. Hein. Donc, vous allez faire comme ça. Vous allez monter. Ça va monter et descendre. Donc on va placer un repeater là. Et comme ceci. Hop là, on va faire monter le circuit et on va le faire en fait une boucle qui va en fait tout simplement faire la même chose qu'ici mais en haut. Donc ça va devoir désactiver ça et le réactiver à partir d'un certain temps. Donc pareil, vous allez faire ici et ici une mémoire comme ceci. Le truc c'est qu'on va relier ça normalement. Le truc c'est qu'il faut que celui-là soit éteint. Comme ça on peut faire descendre le système. Non je me suis trompé. Donc voilà, comme ceci. Donc, je vais juste remettre un répéteur là et un répéteur ici. Donc ça va l'activer. Ça va le désactiver pendant un temps inconnu. Et donc ce qu'on va faire c'est que bah, comme avant, comme la torche éteinte va être doit être allumée, bah, on va faire la petite boucle qui va en fait nous aider. Donc ensuite Jack on... Après vous me direz, ouais mais comment alors on va activer, on va désactiver le bloc d'or et tout. Bah justement j'ai très bien réfléchi, c'est pour ça qu'on a fait en fait ce petit circuit là. Donc ce petit circuit là on va devoir faire 2 x 8, donc 16, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et non, on va juste faire 14 parce qu'on va placer des repeaters après. Hop là, on pourrait même mettre 13. Bon. On règle tout sur 4. Ouais, non, ce que je vais faire, c'est je vais enlever ces deux là et alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, voilà, je vais faire à 12. Ensuite, on va faire descendre le circuit. Bah en fait, ici, on va reprendre ce circuit là. Par contre, ici, ouais, on va mettre une latence de 4. Parce qu'il faut que ça active ça plus rapidement. Et là, on peut voir qu'il y a bien 1, 2, 3, 4. Donc on va mettre 4 plus un dernier. Voilà, ici. 2 et du coup on va en enlever un
ici, voilà. Niveau timing, ça doit être bon comme ça. Donc c'est un peu le bordel, faudra toujours modifier, mais comme vous voyez, le système se joue vraiment au timing. Donc on va faire descendre ça et on va le raccorder à là. Donc. Oups, là je suis allé un peu trop loin. Hop là. Donc n'oubliez pas de mettre tous les environ 16 blocs. Un répéteur donc, ici. Tchac. Hop là, on relie. On relie. Voilà. Donc normalement c'est tout bon. On en a rajouté deux. Et donc comme vous pourrez le voir, ça va en fait désactiver vite ça. Donc je vais mettre un easy. Bon, le timing peut être entre 6 et 7. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, ça va très vite activer, désactiver le piston avant que ça puisse passer normalement. Donc, il faut voilà, que ça désactive. Voilà. Il peut pas laisser passer le courant. Ensuite, à partir d'un certain temps, ça a réactivé. Voilà. Ça active ici. Un certain temps, ça a remonté. Et voilà. Donc, parfait. Il y aura un. Il y a exactement 6. Zombie. Donc niveau timing, on a fait l'excellence, mais vraiment, on n'aurait pas pu faire mieux. Ensuite, ce qu'on a oublié de faire, bah logiquement, c'est ceci. Alors, c'est exactement la même chose. Je vais le faire descendre à partir d'ici. Non, non, en fait, ça change rien. Je peux le faire plus tard. Donc, faut juste pas que ça active tout de suite. Donc, ouais, je pensais le faire ici. Donc j'ai ajouté deux niveaux de difficulté, après c'est juste au niveau de la place qu'il faut bien réfléchir. Donc, on va faire ça sous terre, donc on va devoir creuser. Ensuite ici, on va... Non, juste ici. On va placer un sticky piston avec un bloc de laine verte. Vous allez continuer à creuser, faire une grande plateforme. Et donc là le but c'est que ça active... allez, on va compter 5 monstres de plus. 5 monstres de plus, ça fait à peu près 9 monstres. Donc après ça peut vraiment modifier, là on peut vraiment le mettre n'importe où. Donc ici, on va d'ailleurs modifier, on va mettre ça là. Jack. Donc c'est à vous de choisir où vous le placez, ça change absolument rien. Ensuite ici, voilà. Donc après à vous de choisir l'emplacement. Et là, il faut vraiment faire une très grande plateforme. Parfait. Vous creusez tout ça. Ah, je suis pas un peaceful. Très embêtant les slimes hein, sur les flats. C'est vraiment une catastrophe. Voilà. Donc on a une petite plateforme. Voilà, tranquillement. Et donc... Dès que ce sera activé, bah forcément le plus vite, ce sera donc ceci. On va faire, on refait en fait une mémoire où celle-ci doit être allumée normalement de base. Voilà, celle-ci doit être allumée de base. Et donc voilà, tchac et tchac. Là, je vais mettre un répéteur. Donc, il faut très vite que ça en fait désactive ce machin avant que ça donne du courant. Bah ici, c'est pour ça qu'on va faire comme avant. On va rajouter deux là. Et on va enlever en fait ces deux là. Voilà. Donc toujours un peu réglé niveau timing. Hein. Pour qu'en fait ça puisse vite désactiver avant qu'il y ait du courant qui passe par ici. Et que ça puisse faire sa boucle tranquillement. Qui revient ici. Et qui va en fait passer. Non. Non, non, non. Ça boucle tranquillement. Alors voilà ce qu'on va faire. Donc hop là, on continue notre petit chemin ici. Et donc ici il va falloir faire partir un petit chemin qui va en fait qui va faire ouais, on va faire une boucle comme ça. Une boucle plutôt grande en fait, ce sera juste pour désactiver
le petit RS Nord, enfin la mémoire quoi. Normalement, check, check, check. Un peu bizarre mon machin, mais c'est pas grave. Le but c'est que ça marche. Ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, j'en ai bien assez. Et en fait, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire monter un petit circuit. Voilà. Montez-le assez haut parce que c'est ici où va se dérouler le délai, donc le délai supplémentaire. Donc on va faire en long, voilà, en long, et ça va redescendre à peu près ben ici, ici. Ensuite on creuse et ça arrive là. Parfait. Donc on voulait ajouter 5 zombies, donc 5 x 8. Oh là là, 30, 30. Non, non, c'est pas possible. 40, 40. Donc on va faire monter notre petit circuit là. Donc, un petit répéteur. Et re tout le monde, j'ai dû faire une petite ellipse. En fait, j'étais allé manger. J'ai pas très bien calculé mon temps de jeu, ni l'heure qu'il était. Et donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait. Bon, si je me rappelle bien. Ouais, c'est exactement ça. Donc on avait retiré vite fait ça avant que le courant passe. Donc ouais, il nous faut un peu plus de délai. D'ailleurs j'aurais bien voulu le faire là, mais bon. Niveau délai, on va devoir en rajouter un petit peu. Un petit peu beaucoup. Ensuite, il va partir là et là. Voilà, donc pourquoi j'ai ajouté autant de délais? Parce qu'en fait, normalement, je suis censé bloquer le truc à la source pour laisser passer directement. Et donc, j'ai dû rajouter du délai. Donc, je vous conseillerais de faire comme ça, vu qu'on est positionné dans ce sens-là. Ensuite, Jack. Non. Attendez. Ouais, je me disais que ça avait aucun sens. Bon, du coup, là non plus. Alors, Jack. Comment je vais faire? Surtout que. Bon, bah, je vais devoir décaler ça. Ça va revenir de toute manière ici. Un petit tour par ici. C'est juste pour rajouter de la place, hein, bien sûr. Ensuite, ici, bah, on peut relier, en fait, tout simplement. Donc, si je suis là, machin, Jack, ici, comme ça. On fait là, là. Ici, on va en enlever un. On fait comme ça, Jack. Et voilà. Donc, on règle tout sur 4. Voilà. 4, 4, 4, 4, 4 ici, 4 ici, 4 ici. 4 ici, 4 ici, 4 ici. Et donc on va juste regarder parce que en appuyant sur le bouton vite fait. Ah voilà. Le petit problème c'est que je vais ajouter du sable juste ici. Voilà. Je vais faire ça comme ceci. Comme ça. Je suis sûr que le courant passe. Donc j'appuie sur le bouton. Ah, ça va faire la petite boucle comme d'habitude. Donc. Ensuite, dès que ça va passer ici, voilà, donc ça passe ici, ça c'est censé le retirer directement. Alors voilà le petit problème. Donc ça doit être activé. Comme ceci. Alors bon, comment ça se fait-il que ça a été arrêté? Je vais juste regarder comment ça se passe. Parce que. Oups, ah, donc j'active le machin. Ça pousse un bloc de sable, ça le fait le tour. Ensuite, ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc, normalement, ça va enlever ce bloc-là. Voilà, ça enlève ce bloc-là. Pendant un certain temps, ça va faire la boucle.
Voilà, donc c'est juste en fait ici que ça joue pas. Donc ce qu'on va faire, c'est bah, comme avant, faut faire une mémoire. Mais la mémoire, on va la faire dans un sens différent. On va la faire comme ça. Non, c'est ce que j'avais fait avant justement. Mais c'est juste dans ce sens-là. Donc quand c'est désactivé. Ça c'est allé très vite, donc ça active ici. Donc ça censé faire un inverseur, parce que comme vous pouvez le voir, si on fait un inverseur comme ceci et qu'on active, bah ça détruit la torche. Donc ça a désactivé là et ça a activé ici en un certain temps. Et une fois que ce sera activé, là ça. Okay, donc ce que je vais faire, c'est déjà je vais enlever ce petit truc de la, ce petit bout de latence, enfin ce petit délai. Et ici, bah comme d'hab, les 4. On va essayer. On va essayer. Donc en fait, notre but, c'est que ici, il doit y avoir un courant qui passe, mais qui puisse pas activer ce bloc-là. Donc c'est très simple. On active. Jack. Ça active notre machin. On attend juste que ça passe. Voilà. Et là, ok, donc ça désactive ça. Le courant, voilà, il est désactivé. Et hop là, il peut pas passer. Ça se réactive. Et là, il va passer. Ok. Donc, on voulait rajouter 5 monstres. Donc, on va juste monter le circuit. Et donc, 5 fois 8. Bah, voilà, j'avais dit 40. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Et donc, bon. On va devoir faire ça comme ça. Ensuite, je vais juste refaire partir le circuit dans l'autre sens. Donc comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je vais descendre. Je vais faire descendre le circuit comme ceci. Hop là. Bon. C'est pas grave. On a la place. Et donc là. Donc si on a 4 Donc si on a 4 de base, on devrait avoir 9 à la fin. Donc ça a vraiment une difficulté de fou. Et donc à fur et à mesure que ça poussera, de toute manière on a exactement la bonne place. Ça continuera à aller à 9. Donc j'ai juste mis 2 niveaux de difficulté. C'est vraiment tout bête. Hop là. Bon, ça prend comme ça. On va régler tous nos machins à 4. Tous nos répéteurs à 4. Voilà, encore rien. Il y a encore un petit truc à faire. Donc relier ça comme ceci. Donc voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté du délai pour pas que ce cube s'enlève trop vite. Voilà, si ça a continué, c'est parce qu'on n'avait pas relié. Et donc, là, on peut bien calculer. Juste regarder encore combien il y a d'œufs. Oh, il n'y a plus rien. On va ajouter, comme d'hab, les zombies. Et donc, si nos calculs sont bons, bah, il reste d'en avoir au moins. Ouais, je vais en enlever un de chaque côté parce qu'il y aura des répéteurs en fait juste après. Et donc, il est censé en avoir 9, donc peut-être 8 ou 10. Je réglerai ça avec le truc. Donc, ah voilà. Donc là, il y en a un qui est sorti. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
et 9. Ensuite, là, à 10. Alors, pourquoi ça ne s'est pas activé? Alors, je vais juste regarder ça. Je vais encore réactiver le circuit. Vite fait. Voilà, donc ça active ici. Ah, voilà, regardez. J'avais pas mis de redstone là. Hop là. J'attends juste que ça réinitialise. Bah, forcément, le machin va descendre au bout d'un moment. Donc là, on voit que ça descend. Là. Ça fait descendre et à partir d'un petit temps, voilà, et ça le remonte. Donc, je me mets un easy et on a bientôt terminé les gens. Vraiment tout bientôt. Et j'active ça. Et voilà. Donc on va compter. Une, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et voilà. Donc, alors, on va bien compter, hein. Et voilà, 1, 2, plutôt comme ça. On va mettre la nuit, puis on va compter par-dessus, ça va être plus facile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on en a 8. Fallait que je rajoute un petit délai, donc fallait pas forcément que j'en enlève. Voilà, donc je peux rajouter un petit délai ici. Et donc, normalement, ça doit être bon. C'est tout bon, donc ce tutoriel est vraiment dédié aux débutants. Je dis ça un peu à la fin, mais il est vraiment dédié aux débutants. Il n'y a aucune notion de redstone à comprendre à part la mémoire et l'inverseur. Donc la mémoire et l'inverseur, donc il ressemble exactement à ce que j'avais fait, sauf que j'avais rajouté des vitres par-dessus. Ensuite, petit conseil, ça en fait vous pouvez enlever. Voilà. Et bon, le dispenser c'était vraiment pour vous montrer. Après, vous créez votre carte, donc une plateforme comme ça, et vous mettez, vous reliez, ah là là, vous reliez en fait les, bah les, ah là là, dispensers un peu partout sur la carte, donc peut y en avoir en là, en là-bas, en là-bas, en là-bas, et vous avez juste à relier avec la redstone, tout ça, ça enverra en fait, bah vous avez juste à faire le calcul, là on en a 8. Ou 9 peut-être maintenant, donc 9 fois 4, faites le calcul, je suis vraiment fainéant, je suis en vacances, voilà. Là, je vais quand même le faire pour pas que je reste un peu en état de légumes. 9 fois 8, non, c'est pas ça, c'est 4 fois 9. 4 fois 9, 36. Je suis vraiment pas sûr, oui, 36. Voilà, on a réussi. Et donc j'ai terminé un peu ma petite série de tutoriels sur la construction de map Wave. Donc c'était vraiment le cœur de la map. Et donc vous avez vu que c'est vraiment très simple pour ajouter un niveau. Il suffit juste de rajouter le délai que vous voulez. Vous pouvez vraiment faire empiler et à partir d'un certain niveau, enfin tous les deux, vous ajoutez un zombie. Donc là j'ai pas vraiment fait tous les deux, j'ai fait comme ça aléatoirement. Et donc vous pourrez continuer à pousser, à la fin ça restera 9 ou 8 pour moi. Donc merci d'avoir regardé cette suite de tutos, je suis vraiment content d'avoir terminé et je suis vraiment aussi content de pouvoir aider des gens. Pour ceux qui sont passionnés de ces cartes, savoir un peu comment fonctionnent les cartes et pouvoir à votre tour créer ce genre de map. Donc voilà, le petit mot de la fin, mangez bien, faites de beaux rêves, ne faites pas de cauchemars. Et ouais non, ça craint de dire ça comme ça. On se retrouve bientôt sûrement pour de prochaines vidéos sur ma chaîne, donc abonnez-vous. Si vous avez des questions sur certains types de maps, posez-moi des questions. Je pense m'inspirer des prochains tutos Redstone des maps Disco ou des autres maps Wave de je sais plus qui d'ailleurs, j'ai oublié. Où je pourrais vous expliquer comment ça marche à peu près. Et donc on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao tout le monde!